Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la deuxième émission semaine. Jeudi, c'est mercredi 3 mai 2023. Et encore une fois, JBTV avec émission Sport entre la caillou. La première, c'est d'entrer toutes les plateformes qui permettent l'émission ça passer live. Et par exemple, Radio Ibo 98.5 FM Stereo, sur page Facebook, émission ça a passé live. Et puis, monsieur, Écoute FM de Montréal, yo. Et merci encore. Vous gagnez deux pages. Vous gagnez Écoute FM de Montréal, vous gagnez Écoute FM International. Et puis, Zami Mouen Tiréji, qui permet émission ça passer live sans compter Radio et Téléchilo. Radio Téléchilo, nèg yo sur toute plateforme, yo sur Roku, yo même sur Télé Haïti. Pour le monde qui gagne Fares Tech, yo ou qui te Télé Haïti. Et puis, gagnez monsieur. Et Universal Sport ITO. Merci encore avec deux jeunes SAO qui te contacté, qui permettent émission ça à passer live absolument. Encore une fois, te gagné match dans mi-temps semaine entre hier et jeudi et match SAO te gagné en pile en jeu. En Angleterre, et équipe et Arsenal là après défaite li devant City, il était réveillé, il dit que pourquoi plaquer championnat. L'été prend tête classement de façon provisoire, nous parlons de ça. City saute jouer à l'heure là, City cartonné surtout en deuxième mi-temps avec yon 35e goal de Erling Haaland qui vini jouer, qui fait plus goal sur une saison en Angleterre, ça pas jamais fait depuis création et première ligue là, nous parlons de ça, monsieur qui bat Andy Cole et Alan Shearer. Après ça, En Espagne, Real Madrid, il était déjà bas championnat vague, mais même parce que ça qui fait hier là, c'est fini parce que l'équipe Barcelona, li a yon victoire de championnat, pas oublié, rete 5 matchs. Et en Espagne, hier, Real de Madrid qui perdu 2-0 avec yon gagote de Militao pour Kubo, te ouvri score là. Et puis, jeudi, même là c'est mercredi, d'habitude c'est toujours les jeudis. Moi qui te page NBA, mais tellement gagné et bagay ka fait dans la ligue là, moi obligé mettre yon ti page NBA tout petit, yon ti page NBA avec Joel Embiid qui MVP saison 2022-2023. Et puis hier, tu as gagné deux matchs, tu as gagné match 1 entre équipe Golden State là qui sorti non superbe match 7 avec Stephen Curry 50 points pour te éliminer équipe Sacramento. Et bien hier, il était la caillou dans Chase Center, il a pu se voir équipe Los Angeles Lakers là, lui même qui était voyé Grizzlies aller lui même dans 6 matchs. Et bien Lakers fait victoire. Et puis Miami Heat qui tape mené 1-0 sur New York et égalisé, mais Miami toujours gain avantage terrain. Pas oublier Miami c'est en déplacement, deux premiers matchs ont été joués. C'est tout ça nous pral développer pour vous dans 272e émission. Pas débrancher parce que jeudi a gagné en pile information. Nous pral prendre deux séparateurs, n'a prend séparateur normal là et qui dit que sous JBTV numérique la télé de l'information et puis n'a prend séparateur basketball là pour ka vini avec page basketball là dans émission. Pas débrancher, n'a tourner. Merci à tout le monde qui toujours branché 272e émission ça. Encore une fois, tout monsieur, toute plateforme et Universal Sport Haïti, Radio Télé Chilo, Radio Écoute FM de Montréal et Radio Télé Connexion des amis Métis Régie et qui permettent émission ça passer live. Je dis à pas oublier et c'est troisième jour dans mois de mai et dans mois de mai, t'es gagné Hervé Saint-Hilaire qui t'a fêté lundi et puis vendredi avant et dans fin mois d'avril là nous te gagne Yves Saint-Brice qui toujours en bas live là. Yves Saint-Brice c'est maître studio là, et c'est maître télévision là, monsieur qui t'a fêté vendredi qui saute passé à là nous gétons web page basketball là que affiché. Oui, et hier
il était environ de 7h heure haïtienne côté TNT t'a annoncé Joel Embiid joueur 76ers là monsieur qui c'est MVP saison 2022-2023. Alors joueur Sixers là monsieur succédé avec Nikola Jokic qui pendant deux années suivi et qui t'a metté en deuxième position et cette fois-ci Joel Embiid c'est vraiment MVP. Alors monsieur auteur de une saison incroyable et Joel Embiid et en saison qui mêlée avec puissance et polyvalente alors pivot originaire de Cameroun monsieur fait au Cameroun un bien monsieur était porté et équipe 76ers là et dans playoffs accompagné de James Harden et Joel Embiid qui MVP. Joel Embiid gagne une belle moyenne pour saison 2022-2023, 31,1 points par match, 54,8 au tir, 10,2 rebonds et 4,2 passes décisives, sans compter 1,7 blocs par match et un ballon volé. Monsieur totalement mérité MVP. Et dans vote qui te gagné hier là, monsieur Vini et après Allen Iverson, c'est deuxième joueur depuis Allen Iverson qui prend MVP saison. Bravo avec Camerounéa. Kafom dit nous que Joel Embiid et la France a marchandé monsieur et pour lui venir jouer et pour la France. Mais monsieur fait au Cameroun, c'est un joueur premier match NBA. L'IWE c'est le Kobe Tap champion. Le ça, monsieur te gagné entre 16 et 17 ans. C'est un nègre qui commence à jouer basket très très tard. Eh bien, mais Joel Embiid là, monsieur qui vini deuxième Sixers depuis Allen Iverson qui est remporté et trophée. Puis bon joueur qui gagnait non saison régulière après 82 matchs. Monsieur totalisé dans votre qui était fait yo, nous pralouer ça, mais votre là, monsieur totalisé 73 points. Alors 73 fois que monsieur sorti première place, 73 moun qui votaient pour lui pour première place, 25 votaient pour lui pour deuxième place, troisième place ça c'est 2, quatrième, cinquième c'est 0, 0. Et puis deux moun qui suivent yo, c'est Nikola Jokic qui gagnait 15 votants qui étaient balle première place là, gagnait 52 qui balle deuxième là, 32 balle troisième là, et puis troisième là c'est Giannis Antetokounmpo et Greek Freak qui gagnait 12 et votants qui étaient balle première place là, 23 de balle deuxième place là, 65 de balle troisième place là, et puis quatrième et cinquième c'est 0-0. Joel Embiid qui méritait amplement et MVP saison 1 sans discussion. Et puis gagnons l'autre fermacan dans votre ça et bam fin ba nous place là rapide bam l'île pour nous chiffre capiti. Quatrième dans c'est Jason Tatum, deuxième dans c'est SGA et joueur Oklahoma City Sounders là. Après ça Donovan Mitchell, Donatas Sabonis que et Curry sont éliminés dans premier tour playoffs, Luka Doncic, Stephen Curry, Jimmy Butler qui a joué un gros playoffs là, Deon Fox joueur Sacramento, d'ailleurs monsieur pour un prix que joueur qui pick clutch dans NBA pour saison 2022-2023 et Jalen Brunson qui joue un gros match hier pour le mettre New York à 1-1 en série et puis Ja Morant et c'est joueur ça yo qui complétait et top 10. Le n'a gardé là gagne un joueur que nous pas ouais, un bien joueur ça oui. C'est le bon dième, c'est pour la première fois et dans toute histoire carrière monsieur que le bon dième pas gagné un monde qui votait lui et pour question de MVP et ça c'est en humiliation dans carrière le bon dième qui pourtant a joué en bonne saison et bien votant yo pas ouais monsieur même et dans question de MVP pas gagné un monde et qui votait pour le bon dième. Eh bien, si pas yon moun ki vote pour le Bodjens, eh bien, souterrain hier, eh bien, monsieur te vote pour tête li, et parce que nan game 1, nan semi-finale conférence West côté, équipe Sacramento a te fin tombé devant, et équipe Golden State Warriors avec yon gros 7e game, 50 points de Stephen Curry, et puis Los Angeles Lakers li même qui te gagné Memphis Grizzlies, pourtant Memphis te gagné avantage, terrain sous lui. Et bien hier dans game 1 dans Chase Center
pour 5 points différents, 117-112 avec un gros Anthony David, 30 points, 23 rebonds, 5 passes décisives, 4 blocs. Eh bien, monsieur permet équipe Los Angeles là a mené 1-0. Cela signifie que Los Angeles Lakers gagne avantage terrain parce que pas oublier oui équipe qui pas gagne avantage terrain là vu 3 matchs là Kaili. Eh bien, lors gagne un match à l'extérieur, eh bien ou gagne temps reprendre avantage terrain, non seulement reprendre avantage terrain et ou mettre pression sous équipe Golden State Warriors là parce que yo même yo gagne temps a mené 1-0. Et puis l'autre match qui était gagné match ça était fait avant ma Golden State là et équipe New York là qui était dos au mur la Kaili dans Madison Square Garden là en superbe enceinte, ça c'est top basketball là mais dans New York pour pas dire dans le monde entier même. Et eh bien avec Yon Julius Randle, 25 points, 12 rebonds en double lobel, 8 passes décisives. Monsieur Tite et Serian, 1 à 1. Et New York pral déplacer. Et samedi, Cap Vinla, 3h30, pour a jouer 3e game nan. Et Cam Miami nan FTX Arena. Et tandis que Lakers, lui-même, c'est jeudi. Même à Lakers, c'est jeudi. Et game 2 ya, toujours nan Chase Center ya. Et Kai équipe Golden State Warriors là pour me finir net avec page NBA mais qui j'en sérieux équipe Denver Nuggets là oui les 2-0 sous Kevin Durant m'a parlé de Phoenix Suns et yo annoncé si pitu pas jouer game 3 et game 4 là et Denver Nuggets qui était là Kai qui pour le déplacer aller sous terrain Phoenix Suns là tout ba nous résultat Lakers là Lakers 0-1 dans série en sous Golden State Warriors et Miami qui te yo égalisé avec 1-1 ou bien pour me dire New York égalisé et puis Sixers avec MVP saison 1 Joel Embiid li 1-0 sous équipe Boston Celtics là pas oublier Boston gagné avantage terrain c'est-à-dire que Boston dos au mur ça c'était une belle page basketball NBA que moi pas vle quitter pour demain parce que demain à soir il y a un match demain c'est pral yon l'autre bagaille nous pral traverser dans football nous pral commencer avec championnat d'Italie dans championnat d'Italie hein, jodi a ça fait match était important c'est parce que équipe Lazio lui-même l'était dans bataille Lazio t'a recevoir équipe Sassuolo et un jeu qui te gagné dans match ça si Lazio pas bat c'est pas même match nul non match nul pour la pas pour Lazio si Lazio pas bat match là un bien sans jouer équipe Napolien tape tout champion et nous pas voir ça dans classement final là un bien et c'est pas seul Lazio qui tape jouer tout et te gagné Inter de Milan cartonné et puis te gagné Milan AC qui calé et l'aime du calé là en termes de l'autre mouton bon ou calé dans bon nan, eh bien Milan AC qui fait 1-1 et nous pral jouer avec et match nul ça Milan qui vini et sorti dans top 4 qui c'est classement et pour Ligue des Champions 2023-2024 de façon directe nous pral jouer Milan AC qui même qui était top 5 là en aller pour résultat qui important yo n'a pas gardé là équipe Inter là cartonné qui t'a joué avec Hellas Verona Milan AC fait 1-1 Milan AC yo mené sous Milan AC et puis Lazio calé équipe Sassuolo 2-1 Lazio juste retardé sac Napoli qui a joué demain et nous pral wè automatiquement Napoli fait un match nul Napoli cap tout champion l'autre résultat me porter pour nous jodia équipe Atalanta li sout bat équipe Spezia 3-2 avec victoire ça Atalanta qui mettait Milan de yo dans top 5 là. L'autre résultat Juventus grâce à Paredes et Vlahovic Juventus et qui gagnait Lecce 2-1. Nous pral tomber dans classement après journée ça qui a fini demain et Lazio qui juste retardé et sac Napoli match nul victoire demain et bien Napoli après 33 ans qui pral prend un scudetto en garder classement après et partie dans journée sa partie dans 33e journée Napoli à 79 points et Juventus te prend 3e place là mais avec victoire Lazio sous Sassuolo alors Juventus te prend 2e place là de façon provisoire avec victoire Lazio sous Sassuolo
et Lazio qui reprend deuxième place là avec 64 points. De 64 à 79, nous kawe et gagné et 15 points qui séparé et numéro 1 Napoli et équipe Lazio. Lazio joue 33 matchs déjà, cela signifie que Lazio rete 5 matchs, 5 fois 3 fois 15 et gagne 15 points qui séparé yo. Si Napoli pas bat demain, alors il a perdu, Napoli a toujours été à 79 points, a toujours gagné 15 points qui séparé premier à deuxième nan. Nous pral obligé jouer 34e journée pour nous connaître qui est le champion. Mais en cas où et Napoli t'a fait match nul, Napoli a passé à 80 points, l'a gagné 16 points en plus équipe Lazio et c'est 15 points qu'a prêté pour jouer, et bien Napoli a champion. Si Napoli bat même, c'est ça net parce que match nul le champion, moi même pas peso palo. Si ou bat et puis n'a gardé Juventus en 3e position, Inter mouté en 4e position, Atalanta mettait Milan de yon dans top 5 là. Milan c'est 6e à 58 points, même le li exéco en termes de nombre de points, mais pas oublier Inter gagné 2 points en plus Milan. Milan pas goumé avec Atalanta, Milan c'est avec Inter et Juventus que la goumé pour yowe dans 3 places qui rete yo. Et si Milan qui prend une dans 3, et Milan qui n'a vraiment en très très mauvaise posture avec Mathieu Sa que Milan fait. Et jeudi, nous avons traversé en Espagne, et deux équipes qui sont populaires, deux équipes peuples qui sont à l'affiche, n'a fait de façon chronologique. Nous pouvons commencer avec l'équipe Barcelone. Barcelone était joué avant, et Barcelone lui-même qui était dans quand nous Spotify là qui t'a pu recevoir équipe Osasuna Pamplona, match ça t'a joué hier 2 mai. Alors Barcelone t'est composé avec Onza, avec Ter Stegen qui était en mode record, nous pral voir ça et Balde c'est lui même qui était sous l'aile et gauche là et puis et Koundé t'est sous l'aile droite là, mais moun qui pral délivrer équipe là, c'est un monde qui va le monter comme latéral droit, n'a pas les deux, et Jordi Alba, bam, dit, et latéral gauche, excuse-moi, qui va le délivrer dans deuxième mi-temps. Pedri, Busquets et Frankie de Jong qui va le passeur, un super passe pour et Jordi Alba, et dans deuxième mi-temps, et puis devant, c'était Gavi, Robert Lewandowski, et puis Rafinha, Dembélé, nous connaissons les fake tourner, Dembélé, Podkoka, prend place titulaire. Et puis, c'était un duel entre deux entraîneurs, Xavi Hernandez qui a cherché premier titre et puis et Arrasate que n'a gardé sous bord droite écran noir, c'est entraîneur Osasuna Pamplona. Alors, équipe Barcelona et yo foncé vers titre là lorsque yo pral mettre dos équipe Osasuna Pamplona à terre sous un seul goal de Jordi Alba. Là, nous avons joué 27e minute de jeu lorsque Erando, monsieur Pral, fait un faute qui Pral synonyme de dernier défenseur que Abitlan Pral baille monsieur carton rouge direct. Ça, c'est loi. Et Abitlan appliqué dernier défenseur qui Pral dans le camp, où était lui? Et c'était carton rouge. Alors, équipe FC Barcelona, et depuis. Et la 27e minute de jeu, l'étape joué à 11 contre 10 et yo pral joine délivrance là à la 85e alors minute de jeu lorsque Jordi Alba pral recevoir un superbe caviar de la tête de Hollandais. On a parlé de Frankie de Jong et puis dans deuxième poteau monsieur pral mettre maman Pimbassa pour green goal match ça 1-0. FC Barcelone avec victoire ça yo rapproché au plus de 27e titre et Liga Santander yo et lorsque y a lorsque yo imposé yo 1-0 Barcelone qui comptait désormais nous praloué 14 points sous équipe Real de Madrid là. Pour qui ça? C'est parce que dans match Real Sociedad et Real de Madrid là, Real de Madrid qui perdu match ça 2-0. Victoire de équipe FC Barcelona 1-0, on pas en plus et vers 27e Liga Santander yo, oui on part en plus parce que nous pralouer avec victoire FC Barcelone combiné avec défaite Real de Madrid là et Barcelone qui a 1 victoire de 27e titre ça.
Alors, en bon record, moi t'ai annoncé nous avant, mais t'as parlé page FC Barcelone, non, c'est monsieur Ter Stegen dans Liga. Et après 33 matchs, monsieur fait 25 clichés. Pas jamais gagnon et gardien qui fait ça. Monsieur qui bat et bravo. Qui te gagné, moi quoi, et 23 clean sheet ou 24 clean sheet, eh bien, monsieur gagné 25 clean sheet. Et ça, pourquoi j'aime rien dans le thème de record? En thème de record, regardez, dans 25 clean sheet que monsieur fait, l'on prend deux autres pigou gardiens qui gagné dans la Ligue, dans la Liga Santander. On a parlé de Yann Oblak et Thibaut Courtois, eh bien, l'on combine clean sheet deux gardiens, ça y est. Li pa bay plus que sa tèche te gen fè en 33 journées, 25 clean sheet pour monsieur et combinaison Yann Oblak et Thibaut Courtois fait 24, vraiment en mode record, vraiment record pour tèche te gen. Mais classement mwen prenne ta lè à la. C'est ta lè à mwen prenne parce que n'ap gade équipe Atlético Atap mené 5-1. Barcelone qui vini à 82 points. Atletico prend deuxième place là à 69 points, yo relégué Real de Madrid à 68 points. Nous pral wè ça lorsque nous pral traverser la page Real de Madrid là, parce que Real de Madrid l'était à l'affiche, Real de Madrid était à l'affiche hier et Real de Madrid qui tombait sous terrain Real Sociedad là 2-0. Real de Madrid qui était méconnaissable même le dans effectif là et 11 de départ a été nettement changé parce que pas de gagné Benzema, pas de gagné Vinicius Junior, mais t'es gagné yon équipe côté Yoteka contre Carré, équipe et Real Sociedad la Real Sociedad pas oublié son équipe qui t'a conforté 4e place cap synonyme de classement et de qualification directe dans Ligue des Champions. Ça c'est 11 de départ que Carlo Ancelotti t'a metté devant t'es gagné Rodrigo n'a pas gardé avec Gampil nèg ki di monsieur son Dasoman. Est-ce que me ka traiter monsieur comme ça? Et c'est Dominicain m'a parlé de Mariano qui était titulaire aux côtés de Asensio, ça c'est trident. Et puis Kous Tchouaméni et Ceballos té nan mitan terrain derrière té gen Nacho capitaine et latéral gauche, latéral droit c'est Caval qui pral sorti avec un carton rouge et puis té gagné et Eder Militao qui font gagote nan 1-0 et puis Allemand Rodrigo et Thibaut Courtois té nan kan. Thibaut Courtois malheureusement qui pas enregistré en clean sheet. On allait directement dans match lan. Là nous t'a joué la 47e minute de jeu. Forme dit nous que équipe Real Sociedad la réussi un match plein solide pour conserver 4e place dans Liga et porté par un superbe David Silva et puis Kubo, c'est ancien joueur Real de Madrid, que Real de Madrid qui bouquet prêté. Eh bien, monsieur était très excellent hier. Même leur équipe Real de Madrid, là, il était diminué. Et l'aime donc en termes de production de jeu, il était réduit à 10 contre 11 à la 61e minute de jeu. Eh bien, et Real de Madrid, pas de cas qu'un B compas, parce que ni David Silva, ni Kubo, eh bien, il était excellent. Là, c'est en glissade. Nous tapons du 47e minute de jeu de Eder Militao. On ballon facile que Thibaut Courtois bay monsieur. Monsieur Alphon tout de rein pour le pousser Thibaut Courtois ballon. Malheureusement, monsieur pousser ballon dans axe golan. Et puis Kubo tap saute derrière. Ligue étant prend ballon. C'était 1-0. Ouverture score. Laisse ça. Stade sa, et Real Sociedad là s'écraser, l'écraser. Et puis pral gagner, ça c'est Kubo cap et fêté golan pral gagner action ça à la 61e minute de jeu en deuxième faute de Dani Carvajal. C'est pour un 4 rouge direct parce que à la 53e minute de jeu monsieur te prend un premier carton jaune et puis là il fait faute ça à la 61e minute de jeu et bamdi et 8 minutes après en deuxième carton rouge c'est pral expulsion de Carvajal Real de Madrid. Y a mené sous les 1-0 et puis l'a joué à 10 contre 11 et puis nous parlons dans toute fin de match, dans toute fin de match et Real de Madrid qui va encaisser en deuxième goal, un superbe coup de patte et dans deuxième, dans premier poteau, Thibaut Courtois longer toute longueur mais il pas de cas et pousser ballon en corner. 2-0 pour équipe Real Sociedad là avec victoire ça qui
conforté deuxième place yo, alors quatrième place yo, excuse-moi, parce que Atlético saute mettre Real de Madrid dans troisième place là, et puis quatrième place là c'est équipe Real Sociedad là qui gagne ni ça c'est classement avant et match et Atlético Madrid là, Atlético qui saute mais avant m'entraîner micro me quitter 5-1 et nous voyons que c'est Atlético qui passait en troisième position. Avant moi fini avec Real de Madrid là net et avec défaite Real de Madrid ça, bon vous mettez image ça 2-0. Tendez bien, Real de Madrid yo encaissé dans trois derniers matchs yo joué yo 8 goals. Ça pas jamais gè quelque temps Real de Madrid pas encaissé autant de goals comme ça. Et pas oublier, yo gon final yo pral jouer et nan et fin weekend nan la finale coupe et d'Espagne et puis mardi il a joué avec City dans deux derniers matchs Real joué yo deux derniers matchs ça Real joué mardi dans deux derniers mardi Real joué yo yo joué avec Girona yo perdu 4-2 et hier mardi deux ya yo se joué avec Real Sociedad yo perdu li 2-0 ça fait 6 goals dans deux derniers mardi que Real joué yo et yo gon l'autre mardi pour yo jouer qui c'est mardi qui va venir là yo pral jouer avec City Real de Madrid qui pas bon même avec différence de points entre Real et équipe FC Barcelone nan ban moure ba nou encore s'il vous plaît et Barcelone à 82 points Atlético et 69 Real et 68 un bien équipe FC Barcelone nan la champion en cas de yon victoire contre Espagnol de Barcelone nan prochaine journée ya et 34e journée nan prochaine journée ya depuis FC Barcelone ka fait yon victoire contre Espagnol de Barcelone et bien c'est yo même cap champion d'ailleurs nous wè que moi mettez et tout et ça et classement devant nous là nous pral traverser nan première ligue là dans première ligue là depuis hier te gagné match et gagné équipe qui deuxième nan et qui était deuxième en 20 journée ça eh bien forme de que match ça c'est des matchs en retard que et première ligue là a enregistré là alors première ligue là te gagné derby de Londres entre équipe Arsenal et équipe Chelsea hein? Arsenal qui était la Cali nan et Emirates Stadium nan et Arsenal yo poko alors yo poko di dernier mot avec championnat et yo te en face yon équipe Chelsea pour derby de Londres on équipe Chelsea cap galérer avec yon Frank Lampard comme entraîneur par intérim yon entraîneur qui poko fait yon victoire depuis le monsieur prend équipe là alors derby ça j'am di nou que et Arsenal pas de gain l'autre bagaille qui t'a bon pour lui pour te toujours gagner yon espérance de titre c'était fait yon victoire. Alors nous pral wè nan 11 de départ de équipe yo ça c'est et Frank Lampard depuis le monsieur prend équipe là par intérim n'a gardé ses 5 et défaites que monsieur fait Wolverhampton bat li 1-0 Real de Madrid bat li 2-0 Brighton bat li 2-1 ou bien 1-2 était la caillou Real de Madrid te rebattu encore et 0-2 et puis équipe Bradford là te battu 0-2 nan journée qui s'est passé là ça dit que match ça yo résultat ça c'est résultat avant Arsenal déplacement ka Arsenal nan 20 dernier match que Lampard joué en tant qu'entraîneur intérim et entraîneur principal tendez bien monsieur fait yon seule victoire seulement avec 2 matchs nuls cela signifie que monsieur fait 17 défaites yon victoire et 2 matchs nuls pour montrer que et si c'est un autre entraîneur mes amis par contre qui qualification yo te kabay Frank Lampard ça c'est plan de bataille de entraîneur yo Frank Lampard de un côté et puis de l'autre côté ya c'est Mikel Arteta nan et 11 de départ ça nous kawe Aubameyang avec et Maduke Nexao te titulaire et de côté Arsenal et Kiwer qui te remplacé Holding nan banc défense lan ça c'est plan de bataille de équipe yo. Alors équipe Arsenal la li pral humilier équipe Chelsea hein, nan Emirates Stadium nan 3-1. Gen moun kap di MJB 3-1 c'est pas un score
qui semblait humiliation, mais moun ki t'ap gade match lan depuis nan premier mi-temps et Arsenal c'est ça l'oublié, li pa fait équipe Chelsea. Arsenal t'est même mené 3-0 avec un superbe Martin Odegaard 18e minute de jeu qui pral recevoir un centre et Rasol là monsieur pralé bamdi nan 15 mètres là parce que monsieur pralé tout près ligne 16 mètres là nan surface de réparation hein. Pied gauche on sent de Granit Xhaka pour 1-0 ballon pour le frapper dans transversal là qui pas de café en rien pour lui c'était 1-0 de la 18e minute de jeu 2-0 doublé de Martin Odegaard yon l'autre centre encore de la gauche vers la droite premier goal là monsieur était dans et 15 mètres là ça monsieur n'a point de pénalité il en a 11 mètres là même pied gauche ça sous on passe encore de Granit Xhaka deux passes décisives deux goals de Odegaard 31e minute de jeu, c'était déjà 2-0. 3-0 après le vini, 3 minutes après à la 34e minute de jeu, lorsque on sent pour le fait de la droite vers la gauche, l'on garde quand Chelsea et puis brésilien Gabriel Jesus pral amorti, monsieur pral bypass là ballon pral retourner sous lui, monsieur pral mettait deux pieds droite là parce que monsieur était tout près goal là. Kepa pas de café en rien pour ballon wan. C'était yon dans deuxième mi-temps ça c'est 3-0 c'est depuis là depuis dans premier 45 minutes de jeu dans deuxième mi-temps là n'a regardé et Frank Lampard nous t'a joué 34e minute de jeu 09 secondes il était gagnant 3-0 sous équipe Chelsea hein? Et Lampard cap prend l'eau avec équipe ça depuis le monsieur retourné comme entraîneur par intérim. Dans deuxième mi-temps, c'était une seconde période et moins consistant pour équipe Arsenal là parce que Arsenal pidian, il était getan fel dans premier mi-temps lorsque il était passé équipe Chelsea 3-0. Dans deuxième mi-temps, pral gen réduction score là à la 65e minute de jeu par Madouke sous on passe de Kovacic. Mais Pidulan, Arsenal te getan fel nan premier mi-temps et te mené 3-0 devant yon équipe Chelsea. C'est faible, sans inspiration, qui juste sauvé l'honneur lan par Madouke à la 65e minute de jeu nan deuxième mi-temps. Alors 3-1, c'est score match lan, mais pour Arsenal, alors bon dit que pour équipe Chelsea, hein, ça va mal. 6 défaites dans 6 matchs que Lampard depuis le monsieur tourné par intérim nan étant bien dans 6 défaites ça yo marqué seulement 2 goals yo prend 12 goals Bambanou et face à qui est Wolverhampton yo te perdu 1-0 Real de Madrid 2-0 Chelsea yo alors bam di Brighton 1-2 yo te ba yon goal et Real de Madrid match retour 2-0 et Bradford 2-0 et puis hier 3-1 nou ka wè yo bay seulement Brighton yon goal et puis Chelsea yo bay goal hier ça fait 2 goals yo prend yon nan Wolverhampton 2 nan Real de Madrid ça fait 3 2 nan Brighton ça fait 5 2 nan Real de Madrid au retour ça fait 7 2 nan Bradford ça fait et ça fait 9 alors ça fait 9 et puis yo prend 3 nan main Chelsea ça fait 12 dans 6 derniers matchs 12 goals encaissés 2 goals seulement manqués et ça va mal pour Frank Lampard dans tête équipe ça et avec victoire ça Arsenal qui te reprend et chaise là won de façon et provisoire il était prend tête classement de façon provisoire parce que il t'a prétend match jeudi entre équipe United alors bon équipe West Ham et équipe City West Ham qui était sous terrain équipe City avant nous tomber dans West Ham City t'es gagné équipe Liverpool là lui-même qui était dans bataille Liverpool lui-même cap chercher un Jean pour si
équipe United dans ta font faux pas ou bien Newcastle ta font faux pas pour ta entrer dans top 4 là qui t'a synonyme de qualification directe pour Ligue des Champions parce que yon équipe kankou Liverpool et place li c'est Ligue des Champions nèg yo k'ap bataille très dur pour ça. Eh bien yo pral fè yon coup de victoire, yon victoire important et 1-0 avec Mohamed Salah qui prend le buteur à la 39e minute de jeu sous yon pénalité que n'a gardé image là monsieur qui voyait gardien Fulham là 1-0 pour seul goal yo même qui était dans Anfield Road là et yo même cap chercher au moyen pour yo entrer dans top 4 là grâce à Mohamed Salah égyptien victoire de équipe Arsenal là et nous prend le classement Arsenal qui poko mathématiquement et ka poko ka entrer dans top 4 là parce que gagné Newcastle devant gagné équipe Manchester United là qui en embuscade et deux équipes ça yo même cap goumen pour 3e et 4e place parce que en Angleterre premier avec deuxième place en défini même le Arsenal t'a dit tout match li merci t'a dit tout match li deux équipes ça qui t'en prend deux premier place qui gagné qualification directe pour Ligue des Champions. Là moi qui t'en tombé dans Manchester City qui t'a recevoir équipe et West Ham United là et équipe West Ham United là ça moi mais avec Jodia, yo pral très discipliné surtout dans premier 45 minutes yo. D'ailleurs nous pral voir ça premier 45 minutes yo malgré une possession de 80% de équipe Cityan. Eh bien, c'est pour le score nul et vierge dans les premiers 45 minutes. C'est dans la deuxième 45 minutes, l'équipe West Ham United n'a pas le flancher parce que yo pral encaisser 3 goals avec Erling Haaland en mode record et 35e goal sur 11 saisons. Ça n'a pas jamais arrivé depuis la première ligue. Là, t'es commencé. Alors, dans la première mi-temps, Julian Alvarez était titulaire. Monsieur était dégagé. Li, et là, il était manqué ouvrir ce score-là avec tête Haaland ça. Et c'est des actions dans 80% de possession de ballon côté équipe et City a mettait pression pour voir s'il était capable ouverture score là mais en face tu as gagné équipe West Ham United là qui était très discipliné qui fait dans premier acte là c'était score nul et vierge 0-0 c'est dans deuxième mi-temps ça va changer là moi viens avec chiffre ça pour nous c'est chiffre première mi-temps n'a regardé deux tirs cadrés pour équipe City 5 tirs non cadrés et une bloqué ça dit que City t'était fait 8 shoots dans première mi-temps pendant que équipe West Ham t'était fait 3 seulement 80% de possession de ballon pour équipe City hein, et pour montrer que City t'était metté équipe West Ham United la chita mais nèg yo t'était résister City qui pas ka verrouiller alors bon déverrouiller défense là deuxième mi-temps c'est pral yon l'autre bagaille. Et parce que dans deuxième mi-temps équipe West Ham nan yo pral flancher City qui pral déverrouiller et défense ça et Catenaccio face à un adversaire vraiment qui était accrocheur et bien Manchester City très patient et bien yo pral sauter verrou ça sous un coup franc tout d'abord de Riyad Mahrez nous tape 50e minute de jeu et puis Hollandais Atanake pral mettre ballon en camp pour 1-0 à 57e minute de jeu. 20 minutes après et 79e minute de jeu, Jacques Grealish pral bien servi et Erling Haaland pour pied gauche liant et là n'a gardé et service de Jacques Grealish et puis goal de Erling Haaland 35e but en championnat, 35e but, c'est record absolu par jamais un joueur qui fait ça non et première ligue là monsieur qui entré dans la légende oui et norvégien légendaire 35 buts dans une saison dans première ligue là ça pas jamais fait j'en ai regardé là et c'est pour la première fois depuis création première ligue là que un joueur arrivé fait 35 goals monsieur était ex-aequo avec des joueurs Kankou et Andy Cole et Alan Shearer eh bien monsieur qui était deux nèg sa yo derrière record absolu et Erling Haaland vraiment Andy Cole qui était fait li dans saison m'a rappelé nous 93 94 il était fait 34 goals et Alan Shearer saison après 94 95 qui était fait 34 goals eh bien saison 2022-2023 record absolu pour Erling Haaland record et ça pas de jamais fait
35 goals et ça fait monsieur toute saison hein, et toute compétition confondue 51 goals et moi pensais que monsieur cap mettait bar là piwo. Alors ça pour finir pour équipe West Ham United là Calvelan parce que Phil Foden si n'a regardé lorsque Erling Haaland a fêté goal là bon retourner sur image ça pour nous n'a pour c'est Phil Foden qui était sous banc qui était venu féliciter monsieur un bien Phil Foden pral monter dans match là et puis à la 85e minute de jeu et Phil Foden et nan yon superbe et coup de patte derrière carrière un bien ballon qui pral dévier dans corps Paqueta n'a regardé Paqueta là de dos un bien ballon pral dévier qui pral mourir dans filet gardien West Ham nan City qui reprend trône 3-0 pour équipe Citizen nan City j'am di nou qui ka même permettre li fè yon défaite nan match li rete yo City kap toujours champion 1000 et but pour et Guardiola alors nou ka wè 1000 game alors 1000 buts nan 404 matchs 1000 goals depuis le Guardiola prend équipe là et c'est une machine et à but que équipe City en fait dans 404 matchs et bien équipe ça a marqué 1000 goals bravo avec Pep Guardiola et qui de génération en génération d'ailleurs n'a pas photo avant c'est pas seul Neg Sayo n'a regardé Kun Aguero qui devant n'a regardé tout et tout nèg qui passait là yo et même et le roi Sandé dans photo ça parce que pas oublier tout nèg ça yo c'est ancien joueur City qui là un bien tout nèg ça a contribué dans 1000 goals que équipe ça scoré sous le Guardiola et 1000 goals ça c'est en 404 matchs 404 matchs bravo avec et Pep Guardiola classement après et match en retard ça yo City reprend trône toujours avec yon match en moins nous on encadre pour nous 33 journées et Arsenal joue 34 journées City qui gagne yon point en plus c'est ça qui fait me dire nous que même le City t'a perdu yon nan match li yo l'a toujours gagné yon point différence et par rapport avec équipe Arsenal là Arsenal dans moment ça qui a 78 City a 79 Newcastle 65 United 63 Newcastle et gagne un match en plus par rapport avec Manchester United, United 63, Newcastle 65 et puis équipe Liverpool là qui gagne deux matchs en plus équipe United là nous kawe Liverpool à 34 et journée pour 59 points, United 32 journées, United en cas de deux victoires l'a même passé devant équipe Newcastle là pour les prendre troisième place là. Demain et gagner match moi dis nous ça et demain nous pral surtout suivre Udinese Napoli Udinese qui va recevoir Napoli Napoli match nul victoire Napoli ap champion et puis gagner l'autre match United dans programmation moi quoi Newcastle dans programmation sans oublier NBA basketball et 6h33 et c'est ça moi là merci à tout le monde qui était branché 272e émission sport là et merci avec toute plateforme Universal Sport Haïti Radio Ibo et Radio Écoute FM de Montréal Radio Écoute FM International de Montréal Radio Télé Chilo et qui est encore Radio Télé Connexion des amis Métis Régis sans compter page Merson Emmanuel Radio Stéo 9 qui permettent émission ça passer en direct et absolu encore une fois merci à tout le monde qui toujours supporté émission ça tout le monde qui pas jamais pas branché parce que JB TV nous kawé et map travail pour nous parce que distance pour un monde pour me saut travail pour me temps organiser toute bagaille ça chercher toute information là pas le monde qui quitte travail à 5 heures et émission a commencé 45 minutes après pour qui t'a courir machine pour m'entrer dans le studio, ramasser toutes les informations, ça y est, guetter ou mettre sur tablette pour m'porter pour nous, ce n'est pas une messe à faire. D'ailleurs, nous, jeu de lumière et son, image, tout bagage, ça y est, c'est moi, parce que c'est seul moi qui l'a, l'âme qui a une télévision devant moi, l'âme qui a un computer, moi qui a une caméra là, et sans compter tout bagage qui l'a pour m'porter, émission ça pour nous. Rejoignez-moi demain,
jeudi 4 mai pour 273e émission Sportland. Parce que sans ce suivre là, moi toujours dis ça, c'était 272e émission. Et 273e là, l'a gagné plus d'informations et que m'a poté pour la donne. Bon mercredi et à demain 5h45 pour dernière émission Sportland. Bye bye.